Oh putain! Oh putain! Oh là là! Oh, ça faisait longtemps. Et donc, tu crois que les gens nous voient comme ça? Bah oui, j'imagine. Mets-moi une gifle. Quoi? Comme ça, on saura si c'est vraiment nous. Les garçons, vous voulez petit déjeuner? Je crois qu'on est vraiment dans la merde, là. Il y a deux solutions. Soit on est en 86, soit on est à Valenciennes. Je crois qu'on est en 86. Oh, elle est mignonne, celle-là. C'est ma femme. C'est un peu plus. T'es pas jaloux, toi? Oh non! C'est Eric. Patrice, j'ai bien réfléchi, j'ai une idée géniale. Bah attends, tu quittes pas. Et en 86, qu'est-ce qu'on va faire de mieux? Qu'est-ce que tu fais? Bah je me recoiffe. On peut tout refaire mieux. Je peux vous aider? Oui, on voudrait voir Monsieur Claude Berry, le producteur de cinéma. On a une, enfin, plusieurs super idées de scénario à lui proposer. Première idée de scénario, c'est un gars qui travaille à la poste dans le sud. Pour le punir, on va le muter dans le nord de la France. Là où il fait froid. Là où il fait froid. Si tu veux, toi. C'est lequel, Zidane? Ils disent les cheux à la place des queues. Alors on est d'accord, votre fils, il est pas majeur? Mon fils est un loubard. Tu es un niqueur. On fait ça, on échange nos vies. Oui, j'aime encore. Il est où, Eric? Alors ça fait le grand, ça fait le mur. Il voulait baiser. Dans ton cul. Petite seconde, monsieur Barclay. Désolé de vous déranger avec votre fille. C'est ma femme. Techniquement, tout s'est joué dans l'escalier de la cave. C'est ce qu'ils appellent le passage. Et d'où tu sors ça? J'ai vu les visiteurs 1, les visiteurs 2, donc... Vous avez perdu les os? Non, mais c'est qui, toi? Je sais, je parais très jeune, mais je suis gynécologue. Mais...